Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Mais tellement ça dépendait d'une urgence. Donc, il y a une imposition que Dieu nous a imposée. Il fallait qu'Adès à la boue être obéi. Même s'il y aurait dû des personnes, mais pour faire passer le message que Dieu nous a donné, nous avons été capables de ça. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est que pour vous je ne vois pas toutes ces absences. Vous, vous êtes très important pour moi et pour Dieu qui a permis que beaucoup m'appellent à avoir assisté. Peut-être que là, la vie ne peut pas vous aller l'eau, d'autres personnes vont bénéficier de ça. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse et vous pouvez le mettre. Amen. Oui. Hier, je levais la vie plus prophétique que le rôle d'un prophète par rapport à l'Ancien Testament. Mais les autres, le rôle d'un prophète selon le Nouveau Testament. Alors, dans la synthèse, je vais vous dire qu'on a hier, pour que tout soit peut-être pas comprendre le point de vue que nous autres qui est délivré. Alors, je démontre que un prophète, c'est une personne que Dieu oriente pour son peuple, pour une nation, pour une vie, pour l'Église. Et l'obé, tu es pour le Jésus sous l'élo, dans le cadre du Nouveau Testament, comment nous avons été à Tambolaki, n'a pas sa folie. Mais à la séparation, il y a don, il y a prophétie, il y a ministère prophétique. Parce que l'obé, papa, pour nous avons été à Christo sur Yahoo. Donc aujourd'hui, on va vous éclaircir. Alors, on a dit dans le rôle d'un prophète dans le Nouveau Testament. Donc, le prophète dans le Nouveau Testament, il joue aussi le même rôle que le prophète de l'Ancien Testament. Parce que leur rôle aussi était d'orienter le peuple de Dieu, l'ancien, pour transmettre ce que Dieu mettait en eux pour le peuple de Dieu, pour toute une nation, pour l'Église. Alors, je préférais un peu séparer, d'après sa signification, il y a don. Définition, il y a mon don. Donc, le don, c'est quoi? Le don, c'est une qualité que je mets à une personne. Donc, le don est sa qualité. Et puis, d'après sa définition, il y a ministère. Ministère, c'est une fonction qu'on attribue à une personne. Donc, il y a un employé, avant tout, quota, la quantité. Donc, il y a prophétie, il y a ministère prophétique. Alors, nous avons un don prophétique. Don prophétique, ils allaient parmi de neuf dons aux abattés. Donc, on y va don de l'homme, don d'interprétation de l'homme, on y don de la sagesse, on y don de songe, de miracle, de guérison, de prophétie, et ainsi de suite. Mais le don de la prophétie, comme Batulelo, Bakoumi Kobe, Bako, tout ce qu'il y a dans le don, il y a prophétie, à l'objet, à sa prophète. Non, tu n'es pas prophète. Moutoua, je détenir dans la prophétie, n'est pas prophète. Pourquoi il n'est pas prophète? Parce que le don, dans le cas où tu peux faire sa définition, donc, et sa qualité, on a mis à tché, n'a qu'à tché. Et ça, n'est pas un sou-sou, on a mis à pécié. Donc, il y a commerce. Donc, là, je suis un exemple mot typique. Hein? Il y a en dehors, il y a neuf dons. Et ça, c'est tout. Vous avez apprécié. Donc, il y a commerce. Donc, il y a ce qu'on a bandé à 100 francs à quoi émerger ma place. Et ça, le quoi nous sous-sous, vous avez apprécié. Donc, il y a quoi
Donc, il y a vraiment ce qu'on a tellement dit qu'il y a un peu, et ça différent dans mon tour, il y a un peu. Donc, net, par exemple, dans le problème, c'est sous don l'ignore. Donc, net, il y a un travail. Et ça, dans mon tour, sous sa salité, il y a un mal à l'aise. Il faut un sal à mon sal pour se sentir à l'aise. Mais sous sa salité, il y a un se sentir à l'aise. Et ça, net, dans mon tour, ça va passer don. Il y a libéralité. Donc, ça veut dire qu'il y a son qualité à sa veste. Donc, à ta part, ça y est, ma bête est liée pour ma paix, ça se trouve à vous exposer le problème. Et ça, donc, vous avez à tirer la case. Alors, l'élo, ce qui se passe dans la case de la jeunesse, surtout dans la case de la jeunesse, quelque part, ce qui nous a vraiment à l'hôpital au Bélambo, parce que, et ça, l'élo, où est-ce que c'est passé dans la case de la jeunesse? Lorsque je, à ce moment-là, le don est parti pour se manifester. Parce qu'on a dit, le don de la prophétie, ça se manifeste dans la prière. Le don tout d'abord de la prophétie, ça se manifeste dans la prière. Lorsque vous avez un cas, il y a un moment, il y a ma prière, il y a ma prière, il y a ma prière, il y a ma prière. Donc, on est ça, il y a la route. Donc, il y a un peu aussi, par côté, vous sous sous côté, il y a un peu, il y a un peu, vous sous fait grâce, malgré que vous avez un don, il y a un bénéfice à l'amour. Parce que si dans la prophétie est ça la nakata mutu, il faut que tu apportes dans la dimension la prière en extase. Donc en extase ça veut dire que tu as une pause à l'écoute, peut-être à concentrer, à plonger nakata prière là. Il y a un moment d'ailleurs sur tout ça ça fait prophétie, même à ça fait la ministère prophétique, tellement il était concentré, à ça qui plongeait nakata prière à mon livre message, à mon livre message en lui que non Dieu m'a parlé ça. Donc, c'est la dimension de la prière de la personne pour apporter, il y a pour des salités et réveiller grâce à la prophétique de la Katinaï. Amen. Ce qui nous a insisté que le don prophétique est la prophétique parce que le lot est aussi passé dans la société de l'Israël. Le lot, par exemple, on a un papa, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un papa, une église. Là, je suis dans ma église, à mon niveau, dans mon corps, je suis dans la Nicaragua. Nicaragua, je suis dans la carte. Et papa me dit non, il faut vraiment que ça soit dans la carte d'intercession pour être vraiment opérationnel. À faire des choses, la carte de la carte à vos idées et à prière, à ce mot de la zone de la zone de là, et que ton âme est l'amour qui. Là, ton âme est l'amour qui. À quoi il fait utile pour l'église? Et comme il fait des noms, on comprend que là, c'est une orientation. Parce que le don de la prophétie, ça oriente aussi. Et donc, il y a un dernier prophète à ce sac-là, il y a prophétie à ce qui peut orienter. Et alors, il y a un salaire, 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 par rapport à quoi? Je m'explique. Le lot, nous tout donnons, il y a un réveil dans le cadre, ça y est. À ce moment-là, il va former, il va encadrer, il y a une formation de l'expérience, il y a un étant. Donc, il va encadrer, il y a un père spirituel, il va encadrer, il y a. Bas upé, bas consacré et pété, le ministère prophétique en mode non, au premier de l'eau prophète, mais il se prétend aller quelque part, à Jésus Sika, à trouver l'église, à bas upé, pour ça qu'on apprend à bas upé, à bas upé, à dire quelques versets et tout, à bas upé, pour ça qu'on a, à bas upé, prophète, sans pourtant, bas consacré et sans pourtant, bas encadré et l'eau présent dans le cas de l'aide. Voilà pourquoi le lot de son monde, de son monde, donc, au commandement. Alors, le don de la prophétie s'ouvre dans la prière. Nous devons savoir que le don de la prophétie s'ouvre dans la prière. Nous devons passer à la prophétie, sauf au sein de la banalité, on dit qu'on est au sein de la dégité, non, et vous m'amantez. Pour donner vous m'amantez, il faut nous donner toujours la carte, il y a paix à prière. La carte, il y a paix à prière, ouana. De vous que vous la clé, donc et vous maman, la quatrième. Donc la nourriture de la prophétie, peu importe, la nourriture de la prophétie, c'est la prière. C'est ce que nous devons retenir. La nourriture de la prophétie, c'est la prière. C'est dans la prière que tu reçois le message et tu transmets. Sans que vous ne vous la raté, vous ne vous retirez pas le message, et où t'as le droit? Parce que nous recevons à partir de la prière. Lorsque tu pries, et il y a ton Père qui va te parler. Et ça, c'est quand tu as pour être par la mort, non.
Parce que le Saint-Esprit, parce que les lots, il faut te comprendre, dans l'Ancien Testament, Dieu descendait directement par Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus Dieu qui descend par le Saint-Esprit pour nous parler du prophète. Donc, c'est un canal par lequel lui, il vient pour descendre le message et le Saint-Esprit nous transmet le message. Ce n'est plus comme avant, l'Ancien Testament, qui lui-même il vous parle. Mais maintenant, on a le consolateur, c'est lui qui nous a laissé. Oh Jésus, la raison de la vie, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit consolateur qui est le Saint-Esprit. Il y a mon dé, et ça, dans le Nouveau Testament, on tombe également le don de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui est l'intermédiaire maintenant de Dieu. Et c'est lui qui nous ramène maintenant le message. Voilà pourquoi vous remarquez, lorsque Moudou Aza plongé dans la tête prière, il ressent des sensations. Et ça, la bâton sous en haut comme un et ça, la bâton sous en haut comme un livre, ça n'est pas si, et ça, la bâton sous en bâton le ballon. Et donc, on a suivi la prophétie lorsque Zali allait dans le ballon, et ça, le roi excitant et la bouteille et va du coup. Et ça, la bâton sous en bâton, la bâton, l'homme interprétation. Et ça, la prophétie sous ses abou. Leur interprétation directement. Mais ils ont la prophétie où ils avaient direct, où nous avons libéré un message direct. Le leur d'abord, au monde, on a des missions belles, et par contre, on a YouTube, on a tout ce qui a commis qu'on s'appelle là, hey, da, do, hey, da, do, et ça, diable, mais c'est quoi cette histoire? Moutou, avant ça là, avant le bas à l'or, et puis avant ça là, interprétation directement. Parce que, Balobi, si tu parles à l'homme, soit tu parles à Dieu, soit tu édifies le peuple. Alors, pour les édifier, va comprendre là, dans nos autres là. Il faut interprétation. C'est quoi cette interprétation exacte? Aux autres là. Aux autres là. Donc, voilà. Et ça, donc, dans mon propos, ça n'est pas vraiment trop compliqué, trop glissant. Le nom, comment ils ont donné aux autres, ça la paix quelque part, parce qu'on a la jeunesse. Il y a un moment où ils avaient quelque part conférence au, et ça, voilà ça. Yo oyosa awa lelo, ça veut dire Dieu a yébi le roi Jésus à la pratique. A yébi pourquoi oye kola nabo, peut-être que tu seras aussi bénéficiaire de ça. Nabane oyosa oya en terrière, peut-être Dieu a dit qu'il y a le ministère en toi, ou soit qu'il y a le don qui est en toi, et il faut yébi dernier du kokoki pour orienter à nous. Peut-être toi aussi tu pourras aussi aider les autres au lelo bazaki. Amen. Hein? Le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est parmi les cinq ministères que nous avons. On a cinq ministères. Le ministère pastoral, apostolique, évangéliste, doctorat, il y a docteur, et puis la prophétique. Cinq ministères. Donc, ils ont fait partir, il y a cinq ministères. Ministère européen, ils ont exercé même procédure que le don de la prophétie. Ministère prophétique, ils ont orienté le peuple de Dieu, ils ont orienté le pays, l'église, etc., etc. Mais c'est un ministère qui est plus basé dans le futur. Et un ministère qui est plus basé dans le futur révélé. Vous donner vraiment une procédure. Parce que pourtant, dans un ministère prophétique, il ne prêche pas comme tout le monde. La personne qui a le ministère prophétique, il prêche avec révélation. Parce que, évangéliste ou bien d'autres ministères, bah, au thé à Bissot, avant que Dieu fasse grâce, au thé à Bissot normalement. Mais pour tout, il y a besoin d'attendre un ministère prophétique. Ministère prophétique, il ne faut pas tout le bâtard des autres. Être prophète, c'est seulement quelqu'un qui prédit des choses. Non. Dans le ministère prophétique, c'est la parole révélée. Donc le Saint-Esprit ouvre. Il t'ouvre, toi, être prophète, il t'ouvre les yeux pour voir cette lecture-là. Tu ne pourras pas lire ça comme tout le monde. Dieu m'a dit, ça m'a caché, révélation cachée. Oyez, mon voyez, ça le dit que vous allez faire des choses que moi je n'ai pas pu faire. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit va nous enseigner.
Voilà pourquoi tu vas comprendre il y a pas que nous sous à Kenan aïe, on va remarquer d'être pas prophète de Béni parce qu'on a une théologie. Mais aux autres, on a dit Téya yo, aux autres, on a dit Kabo et Zani. Pour comprendre, on a dit Fos à Kabo, on a dit spirituel. Parce que l'autre, on a dit Kabo, on a dit Kabo, parce que place, si Bible, on a dit pas, prophète, on a dit pas, c'est impossible, on a dit ministère politique. Place on va le dire maille, prophète jamais n'a pas le maille. Impossible. Mais ce que moni, nous devons se prétendre à vivre une au sac du prophète, à son coca pour décortiquer Bible, parole de Dieu révélée, il n'est pas prophète. Je suis désolée. Il n'est pas prophète. Il a juste le don prophétique. Donc, à ce moment-là, quand la donne est, on ne va pas ici. Parce que nous devons la ministre prophétique, il faut décortiquer Bible avec la parole révélée. Qui va révéler le genre de choses. Parce que voilà pourquoi on a dit la avec excellence. C'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, et ça m'a dit. Et puis, donc on va dire sous Awa, Bénéma ou les autres termes là, dans le ministère prophétique. Peut-être on va dire sous Awa, Bénéma ou les autres détruire le ministère prophétique. Parce que nous, autres, on va prophète. Il faut comment transmettre la parole de Dieu dans la terre. Je peux venir, je prêche seulement une parole révélée et le chant va obtenir des messages là-bas. Je ne peux pas venir seulement en disant que c'est ma maman qui a dit on a dit que mon a non. Ça, ce sont des gens qui ont des dons. Un prophète ne peut pas venir s'élever là sur la chair. Pour dire seulement, nous avons un distinguer. Quel est là? Quel est là? Quel est là? Non. La personne qui a le ministère prophétique, il doit prophétiser dans l'écriture. Il doit prophétiser dans l'écriture. Et ce qu'il est en train de vous dire, ça doit être égal avec l'écriture. Il ne peut pas prophétiser sans pourtant être concordé dans l'écriture. Tout ce qu'il va dire, ça doit être conformable à l'écriture. Parce que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que ça peut être le but de son à l'issue, l'attente et la grâce, nous avons le but, plus on est dans la prophète. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit, vers le temps de la fin, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils, et prophétiseront. Voilà pourquoi tu es le prophète de ta vie. Tu peux. Donc, nous devons savoir, toi qui as le ministère prophétique, toi qui as le don prophétique, tu dois savoir ta place, elle est où? Tu ne dois pas te prétendre le long de l'eau, non, je suis prophète. Non, c'est faux. Tu n'es pas prophète. Tu as juste le don. Et ça, pourquoi Moudoubo, il y a un don, il y a commerce, il y a un commerçant. Alors, il y a un don, il y a un docteur. Non, il y a un docteur, il y a un commerçant. C'est quelque chose. Il faut vraiment te garder. Parce que le long, tu as mis sur un zambé, tu as mis sur un zambé, tu as mis sur un zambé. Il faut que ça la prenne très attention à côté. Voilà pourquoi, Moni, tellement tu n'as pas ce ministère prophétique, il y a des scandales partout où tu passes. Les scandales sont sales. Amen. Amen. Nous devons savoir que le ministère prophétique, est plus inspiré par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi un prophète, lorsqu'il lit la Bible, il est inspiré par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. Il y a des fois, moi, je me réveille comme ça. Je n'ai pas eu le temps de la Bible. Je n'ai pas eu le temps de la Bible. Bon, maintenant, là, il va te dire, il va te faire spirituel dans les années de l'autre. Maintenant, il y aura un mouvement. Mais lorsque tu parles, c'est comme ça. Lorsque tu prêches, la personne qui est devant toi, elle te dit, mais effectivement, maintenant, tu as prophétisé pour moi. C'est ça la parole. Oh, ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Des choses que vous ne connaissez pas et que le Saint-Esprit va vous apprendre. Nous ne devons pas, nous, oh, nous avons un ministère prophétique. Il ne faut pas nous allouer à tout le monde. Nous sommes un homme mystique. Nous sommes des hommes mystiques.
Qu'est-ce qui fait la réussite du ministère prophétique? A. C'est la vie de prière en abondance. Premièrement, c'est la vie de prière en abondance. Parce que la prière, c'est ça ta culture. B. C'est la lecture de l'écriture. Un prophète, il ne faut pas la Bible. Il ne faut pas la Bible. Un, deux, trois, quatre, il ne faut pas avoir l'inspiration. Un prophète, à propos, il a éloigné la Bible. Parce que lorsque tu es éloigné de la Bible, c'est à ce moment-là que tu as fait ton ministère. C'est le principe. Un prophète doit avoir le principe dans ça. Un prophète ne se met pas avec tout le monde. Un prophète ne fait pas tout ce que tout le gens font. Un prophète ne parle pas tout le temps. Un prophète, il regarde plus, il observe. Un prophète, là, nous l'a continué à nous placer dans la côte. Il faut comprendre. Non, bah, donc, là, on va aussi, là, on va dire, il faut qu'on nous contrôle là-bas. Il faut comprendre. Bah, on a ça, là, par mot, on va y bébé, il n'a pas besoin de ça, bah, là, si. Et puis, un prophète ne mange pas avec tout le monde. On est dans la tenue, son délire. Il n'a pas besoin de prophète, il n'a pas besoin de la tenue, son délire. Parce que la tête à colia, on a besoin de besoin, mais là, tu peux parler de quelque chose pour essuyer ou mal, pour participer par rapport à l'image. Voilà pourquoi tu ne peux pas te mettre avec tout le monde. Un prophète doit vraiment avoir des principes dans sa vie. Il faut en avoir un naïe, au local, et que non, à 5 heures, je prie. À 10 heures, je prie, par exemple, à 5 heures, et tu as la peau pour la vie. Na minute dans la prière, na attaque président qu'à ta zana pose la matinée suivie ça ou bien président qui se quitte zana, il doit attendre jusqu'à 5 que je vais finir ma prière. Il doit avoir le principe. Et ça fait que non parce que on a quand ta prière, alors voilà que ma émission partenaire mon bon voyou et puis que tout n'a pas savoir bon on va dire alors dit non na quatre dans une prière, na qui n'a pas sur la main non, Dieu plus important que lui. Et puis ça mais là pour ta fille va monter ma partenaire pour va sur la main, faut pas suivre ça pour ça là. Alors ça la tête, il faut que ça passe par partenaire na yo pour soutenir yo. Donc Dieu, tu dois tout d'abord prendre Dieu en première place. Voilà pourquoi tu dois avoir le principe. Un prophète doit avoir le principe. Un prophète doit avoir la sagesse et le réseau pour aller au ministère pour Dieu. La sagesse. Au moins, dans le sens, mais appelle-t-il vraiment message, et ça, vrai. Mais Nicolas, il y a un manque de sagesse. Et créer un problème sérieux. Sagesse, ça. Nous avons la question même à ma solo. Mais Nicolas, il manque de sagesse, non, et créer un problème, ou est-ce que même tu n'as pris ça? Bah, mais que peut pour profiter. Donc, avec mon propre prophète, par rapport à moi, manque de sagesse. Papa, tu es dans mon couple, tu es épanoui. Au côté de la table, moi, ça leur dit, ah, papa, tu es dans ça, ah, bon, je suis dans chaque jour, je suis dans la table, je ne sais pas pourquoi tu es dans la vie, tu es dans la vie. Il y a un monde qui est dans la vie. On a la sagesse, maman, tu es dans la vie, tu es dans la papa, mon yipi. Tu es dans la vie, on est dans la la minute, tu as là pour ma papa, est-ce que tu m'as sonné? Alors, regarde, non, c'est charlatan que tu as ramassé ou pour me ramener dans cette maison. Allez, j'appelle la police! La police fait. La police fait ayer et Camille, ok, prison. Mais maman, on va mettre ça après. Mais Nicolas, il y a manque de sagesse pour qu'on soit prison. Un prophète doit avoir la sagesse. Pour nous tous les amis, la maturité. Bisous va savoir les loi. Il y a un nouveau testament, tout ça mature à ta maturité. Maturité, ça va être. Donc, tout ça terre. Il y a un peu de commissaire prophétie. Terre à terre. Pour maturité, exacte. Au moment où on a dit que tu là, oh maman, ah, la semaine. Manque de maturité. Maturité.
pesante. Ou comme pour ma ministère. Et puis, un prophète doit être humble. Parce que c'est ce que la Bible nous recommande. Nous devons être humbles. Et ça, c'est ce que nous avons comme nous avons ministère de Dieu à votre mieux. Oh, parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que non. On se complète, nous sommes tous corps du Christ. Wana za liboko, wana za mikolo, wana za lisu, wana za yoko matoi. On se complète. Yoko kwa mwana mwana te, parce que tu vois des choses, tu aurais le genre, kwa mwana ke yosa spécial. Non. Un prophète doit être humble. Parce que tout d'abord, tu portes tout d'abord le Saint-Esprit en toi. Parce que l'Esprit qui te parle, il est humble et doux. Le Saint-Esprit est humble et doux. Le Saint-Esprit n'est pas plus tard. Malgré le fort comme un mosquée. Mais le Saint-Esprit a ça humble. Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux orgueilleux. Voilà pourquoi un prophète doit être humble. Il ne faut pas aller à qui ça qui non, là il y a un côté. Juste le prophète aux affaires à l'oreille de l'orgueil. C'est vrai que oui, la grâce là, ils ont orienté tout ça pour qu'on puisse aider, mais il faut nous aller humble. Amen. Et puis, un prophète doit avoir le secret. Un prophète doit avoir le secret. Et là, ils ont parlé parce qu'on m'a dit à Yahouana. Le prophète a fait un message à papa. Papa, n'est-ce pas pour lui? Moi, c'est dans un autre. Ok. A tiki ka wana te, et si lui wana te, a mimi sou kuna, a batte en contact na famille. On dit que moi si a mounde kon a mi kon a zara douj. Kon ni nyote sou kon sa wana. On le ki ni sou sou, on dit que on kuna kata. Un prophète doit avoir le secret. C'est très important. Parce que un prophète sou kon a secreté, on kon parle dans ma famille à Bakou, on kon détruire amitié à Bakou, on kon détruire ma kabebele à Bakou. Prophète doit garder sa langue. Parce que les gens ont adopté la capacité à recevoir le message à la vie. Ça veut dire qu'il faut aussi que les gens ne pas besoin de capacité. Doit la sécréter. Et dans ça, les gens nous soyez à se confier dans eux. Ah, papa, tu as fait ce que les gens ont fait. Ça va être dans ça, dans ça, dans ça. Mais ils ont mon sac, le lobo, on va y aller. On place, nous sous. On a fait un peu de temps. À quel moment tu allais? Ça veut dire qu'il dit. Tabou. Manque à secret. Il y a moi les autres pour ma ministère prophétique. Au bout d'un collègue, il y a un peu de temps, 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 oh mon cher, quand on a un peu de temps, il y 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 a un peu de temps, oh! Mais déjà dans le livre secret à ma goût, nous avons dit que c'est confiant qu'il n'y a pas. Peut-être que nous avons dit que nous avons une image de mon roi à mon sang. Nous avons dit que nous avons une capacité de faire ce qui nous a fait dans mon sang. Nous avons dit que nous avons mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que secret. Nous avons dit que nous avons une image. Nous avons dit que nous avons dit mon sacrifice a un bon comportement. Et ça, vous savez, quand nous sommes à la voisine, on va faire ça. Et bonjour, problème. N'allez pas au place à Fana. Problème, pas ça, bonjour. À quoi t'as n'allez pas au Fana, appelez ça bonjour. Abimaka, appelez ça bonjour. Bon voisinage, quand même, c'est existe. Vous avez déjà un comportement, vous avez déjà un comportement, vous avez un comportement,
na fete na basi ba eba oana lolendo après ça va tout côté tu veux même pas ça ça va mosala ça veut dire ça mosala ça veut dire déjà comportement na yo même so na veni na yo bazo jijo déjà mabe na quartier na mobi ba déjà ba yo déjà na image moko o ya mabe ba lobi ba lo ba mabe na mais ba kuto na voter ba ta kono ba mabe na mais yo za bongoti. Mon sapo, une fois, ça va gentil. Gentillesse des camarades à mon sapo. Colère. Au moins, il y a des gens dans le sapo et dans le même sapo, non, moi, témoignage, je me demande, qu'est-ce que tu as passé? Dans un type colérique, mon poids à mon sapo. Moi, tu ne pouvais pas dire, dès mon sapo, il doit dire. Mais, dans ce qui est un sapo, il faut priser. Il faut priser, gars. Ça va priser, 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 c'est pourquoi, parce que j'avais vu qu'il y a la chose que Dieu a mis en moi que je dois protéger et que je dois demander à Dieu qui est après sa forme au yaye à briser là pour ceux qui sont là qui disent n'a pas eu à faire n'a pas eu à supporter ma femme dans le monde à l'heure, mais tellement que je porte l'enfant de Dieu qui est cette grâce dans moi, je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas. Na coquille soute, na pas le voir qui c'est. Mon union sa voya mon nenga. Mon union sa ya voya ken nenga ibamba na otara. C'est vrai que ça m'arrive de fois na bossi ni kabe na zamba limite sa mon bossi ta nango. Bon, c'est ça parce que au moment du ministère prophétique ça trop glissant en diable. C'est même quand t'as porté dans le monde il y a du qu'est quoi kota. Bah la maman pas au bol libérer message mon bossi ça y est. Nous sommes là dans la maison. Mais je vois ton petit décoté. Je me dis que décoté, décoté. Même si ça ne fait pas ça, nous avons confirmé que ça va bon. Et ça va bon. Et ça va bon. Mais ça décoté. Et ça va bon. Mais c'est fini. Et ça va bon. Pour te dire, je me vois quelque part. Au titre qui porte d'après mon cocaïa. Qui ce qui t'a dit que vous avez dit que la famille n'a pas eu l'air de vous faire un million d'années qui est or. Ce qui t'a dit que vous avez dit que tout le monde a eu l'air de vous faire un million d'années parce que vous avez porté ce que vous avez fait. Vous avez porté que vous avez fait un million d'années. Vous avez supporté ma famille au sein. Vous avez fait ça et vous avez fait un émergé tambola et vous avez fait un baluka. Mais ce que tu as fait, tu as fait un peu de temps, 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 tu as fait un ministère prophétique qui est négocié, comme je viens de dire là, dans le bureau, il y a un peu de temps, le ministère est à la réussite, mais c'est que tu as fait un peu de temps, tu as fait un ministère. Tu as fait un ministère à la réussite. C'est le manque de vie de prière. Manque à vie de prière. On s'appelle à Azaratan à tenté et au matin à temps montagne. Aïe, à tenter ma faute à la retraite, c'était pour le vélo bien zambé. Y'a matin à montagne, y'a matin. Ça va dire que ça tombe à montagne. Quoi qu'on t'a retraite, quoi qu'on t'a retraite. Ça va dire que ça tombe à retraite. Or, que le ministère de Dieu t'a donné, il t'a pas donné ça, et c'est là où on a dit. La peste de Dieu, y'a d'autres qu'on mourir avant la face à prière. B, c'est la négligence de la lecture de l'écriture. Parce que, puisque la prophète compte la Bible, ça va pas poster. Et ça, le quoi, c'est que la compagne est la plus au bout de toi. Donc, ça a difficulté. Donc, on s'attaque à quoi pour ce moment, on dit, parce que ce qui est le côté, il y a aussi une Bible, on va dire ça. Or, que la Bible, il faut être ami la plus au chaque jour. Parce que tout ça, le ministère, on peut être à la révélation. Alors, il faut tout le temps dans ta Bible, il faut toujours comprendre la Bible, il faut le lever et l'on dit de retransmettre le peuple de Dieu. C'est manque de principe, dans le temps, c'est déjà un principe et tout, donc manque de principe, manque de sagesse, au tout à l'heure, dans ce chef, dans le but, au côté pour le balayer, il y a un message vrai. Maman, tu sais, elle dit que c'est pour s'arrêter. Quoi, stérile. Il y a une actualité, maman. La stérilité. Quand il y a un qui sonne, parce que Azalaki, il faut se faire.
peut-être que tu as qui permet de à beaucoup à cause de la beaucoup à cause de que ça moi là ce qu'on a eu le bien mis sur la que y a la série y a aussi à quoi tu peux le rouler à quoi bon à quoi bon la série tu na bon ça bon à la bout et ça dépend le bien ça vérité mais tellement sagesse c'est ça que y a aussi ça qui va lier même pour le festival. L'orgueil, tout à l'heure, on a fait pour le là. On s'est dit, il ne faut pas azala en orgueil. Manque de maturité, il y a un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Il faut que tu aies un peu de temps. On est parfois manifesté, ça va être pour orienter le peuple de Dieu. Alors, quand on a fini pour la, bah, on va être prophétie. Prophétie, c'est une prophétie, non? Il y a un mot de ça. Ça va aussi citer mon nom dans la église, dans la moussa. On est là. Donc, voilà. Manque de secret, il y a une autre chose que je tout à l'heure. Manque, il y a secret. On s'appelle quoi dans la secret? Manque à secret, puis il y a un des autres détruire le ministère. Lorsqu'on a la secret, même. Bateau va faire un pisseau, ma coma va réserver à vous confier certaines choses. Avec la question de vous, vous savez, on ne passe pas ça pour l'envahir, dans le bâti, à comme le combat. Alors là, il y a ce combat, les autres détruisent. Pourquoi? Parce que Yom, aux années secrétaires, paix à moi dans ce combat, et comme il détruit, parce qu'ils ont pour qu'on confie au secret ou à la tête. Secret, c'est tellement lourd qu'ils ont pour qu'on le bâti. Si vous avez un secret, vous avez un secret. Donc, à part ça, vous pouvez détruire. Mensonge. Dieu a dit, depuis que l'on dit aux autres, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu transmet le message. Et libère. Ce qui nous a à transmettre un message, c'est pourquoi nous avons le bâtiment de la lobby, bongo. Bible est une question de la musique, blasphème contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Pourquoi mentir dans les camions de la lobby? Voilà pourquoi on est plus dans le lobby gauche. Pourquoi des questions? Parce que le message à votre femme, comment on ça le tout dans ma tasse? C'est lui qui ment, c'est le fils du diable. Catégoriquement, lorsque tu mens, Seigneur, t'es là une minute. Donc, Dieu n'a pas dit que ça n'a pas fait la vie de son poteau. Parce qu'à l'instant, tu deviens le fils du diable. Parce que le mensonge, le père de mensonge, Yohanande, Satan le diable. Tellement de cotissime mensonge trop dans le ministère en abyss aux prophéties. Voilà pourquoi les lobes en abyss aux gros, ils ont marché. Ministère en abyss aux gros, ils ont mataté. Père, continue à la mataté parce que l'on poutait le qui. Nous avons le vide de mon côté, il y a le vide de sa main. Parce que là, on a besoin d'un moment à respecter ma parole aujourd'hui parce que ça va le plus beau. Ça va faire quoi? Mais où on a dit ma parole? Il y a le plus beau. Nous avons fait assurer par exemple l'eau, tout à fait. Ce qu'on a dit ma parole, on a dit que c'est une malédiction. Quand c'est là, je parle de ça. C'est vraiment malédiction. Mais malédiction est qu'il y a la quatrième génération. Visso va s'appeler, photo le roulant, vous êtes à la carte service. Parce que l'esprit n'a pas de nos autres, et eux, ils ont la carte service, eux, ils ont évoqué la carte service, c'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit du mensonge. J'ai du mal à voir qu'on s'appelle à l'eau, tout le temps dans mon oreille. C'est mon fils de perdition. Et aujourd'hui, si Dieu veut nous parler réellement de tout ça, parce qu'il est en train de voir la jeunesse en train d'être détruite. Jeunesse, c'est son oufa. Tu penses que Dieu oui, a fait pour être un ministère, Wana, à repartir. Dans l'Ancien Testament, tu te
Est-ce que vraiment je vais orienter le peuple? Est-ce que je suis vraiment prêt à orienter le peuple de Dieu? Est-ce que je dois encore faire un recul en arrière? Est-ce que je dois vraiment comprendre la mission que Dieu m'a envoyée? Tout ça, madame. Parce que je laisse de l'eau et sauver ma vie. Puisque peut-être que je n'ai pas oublié ma vie, je suis la mission. Et de l'autre, jeunesse, les autres, elle a détruit. Ok, les acteurs ont une femme, mais il faut assaler la jeunesse. Il faut assaler la jeunesse, ma